Donc, plutôt que de faire un long exposé, comme dans un meeting, je comptais plutôt sur vos questions. Et je pense que le système questions-réponses, répond plus à ce que vous pensez ou bien aux questions que vous vous posez. Cependant, je comptais commencer par un point sur la situation actuelle. Alors, je précise un petit peu ce que tu as déjà dit, c'est-à-dire que le Cotentin est l'endroit de France où la concentration nucléaire est la plus importante. Pas forcément la totalité du nucléaire, c'est plutôt la vallée du Rhône, mais c'est beaucoup plus étendu comme surface. Par contre, le Nord-Cotentin, moi j'habite les Pieux, c'est à 5 km de Flamanville, c'est à 20 km de l'usine de La Hague et c'est à 20 km de Cherbourg. Là, il y a une concentration civile et militaire assez importante. Donc la première installation, ça a été l'arsenal de Cherbourg, qui construisait depuis déjà pas mal d'années des sous-marins, mais qui est passé à la construction des sous-marins nucléaires. Et donc, il faut jamais oublier que la propulsion d'un sous-marin nucléaire, c'est avec un petit réacteur du même type que les centrales nucléaires françaises, c'est-à-dire eau pressurisée. D'ailleurs, à l'origine, il y a eu d'abord les sous-marins aux États-Unis et ensuite des centrales nucléaires. Et on a des centrales nucléaires qui sont eau pressurisée, PWR, de type américain. Et donc un sous-marin, c'est équipé d'un petit réacteur plus ramassé, plus concentré, pour les besoins de la cause, et c'est environ 200 à 250 mégawatts. Donc c'est plus petit qu'un réacteur comme celui de Flamanville, 1300 mégawatts, comme ceux de Flamanville, 1300 mégawatts, ou comme l'EPR prévu à 1650. Mais c'est exactement du même type, avec les mêmes défauts, avec les mêmes risques que n'importe quel réacteur. Hein, ce qui peut se produire sur un réacteur civil peut se produire sur le réacteur militaire. Qui plus, alors, ensuite, il va vers Brest, c'est seulement à Brest qu'il est équipé, donc près de chez vous, que de missiles. Et donc, il n'est pas directement lanceur d'engins à Cherbourg. Au moment de la construction, c'est uniquement la propulsion. Par contre, comme tout réacteur nucléaire, les combustibles doivent être changés. Il y a les chargements et les déchargements de tranches, c'est comme ça qu'on appelle cela. C'est-à-dire que, au bout d'un certain temps, on est obligé d'enlever les combustibles qui sont irradiés ou usés et on remet d'autres combustibles à la place. Mais où mettons les combustibles usés? Bien sur la digue du Homais, c'est-à-dire sur la digue du port de Cherbourg en bordure de mer, c'est-à-dire que en clair, l'arsenal de Cherbourg est à la fois comme une centrale nucléaire et comme un petit centre de stockage de déchets. Et ensuite, ces combustibles sont transportés vers Cadarache, dans le sud de la France, mais ça veut dire quand même qu'en permanence, on a sur le site de Cherbourg des combustibles irradiés des réacteurs issus des réacteurs des sous-marins. Ceci en plein cœur d'une ville qui fait avec sa banlieue un peu moins de 100 000 habitants et dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres 150 000 à 200 000 habitants, ce qui n'est pas rien. Si les risques sont plus petits en cas d'accident ou d'attentat, bien sûr, ça touche quand même une population assez importante et ça pose d'éventuels problèmes d'évacuation, de confinement ou d'évacuation des populations. Voilà pour un premier. Alors on en parle peu souvent, ça. Hein. Le nucléaire militaire, c'est plus tabou que tabou. Hein. On a deux secrets, le secret défense, le secret militaire et le secret nucléaire, les deux en même temps. À Brest, ils sont équipés de lanceurs d'engins. Hein. Donc, ils ont un autre aspect dangereux. Vous avez ensuite s'est installée l'usine de La Hague, qui avait été préparée par Robert Gallet. Il était administrateur du CEA, c'est-à-dire du Commissariat à l'énergie atomique, créé en 1945 au sortir de la guerre, par De Gaulle et par les communistes, puisque à l'époque ils étaient ensemble au gouvernement et le premier administrateur du CEA
ne jamais oublier que c'était Joliot Curie, un éminent scientifique, mais aussi un éminent communiste, avant que tous ceux qu'il avait mis en place soient jetés au moment de la période de la guerre froide. Et c'est lui, en 58, quand De Gaulle revient au pouvoir, qui, devenu secrétaire d'État à la recherche, se retrouve ministre ou sous-ministre, et qui met en place ce qu'il avait préparé en tant que chef du CEA quelques années auparavant, quelques mois auparavant. C'est ce qu'on appelle le pantouflage en France. On peut être à la tête d'une entreprise d'État ou privée, devenir ministre, et une fois qu'on n'est plus ministre, on peut retourner à ses premières fonctions. C'est bien pratique, il est évident que on ne fait pas des politiques différentes, on continue la même politique. Dans certains pays, c'est interdit, ce principe de pantouflage. Si on vient d'une entreprise, on peut devenir ministre, mais quand on a été ministre, on ne peut pas retourner dans l'entreprise. On a une certaine déontologie en la matière. En France, on peut se permettre. La première usine de La Hague commence à fonctionner en 67. Donc la fonction, dite par Robert Gallet encore dernièrement il y a quelques années dans une interview pour FR3 Basse-Normandie, dans un document, une émission de 52 minutes qui s'appelait Atome Crochu, Robert Gallet rappelle que c'était pour être une usine de remplacement éventuel en cas d'accident à Marcoule. Je rappelle que la bombe française, on avait choisi la filière du plutonium, ce n'était possible qu'à partir du moment où on avait des combustibles irradiés d'une centrale nucléaire, car le plutonium n'existe pas dans la nature, et donc il existe à raison de 1% dans le combustible irradié ou usé. Donc il fallait avoir quelques centrales nucléaires, ça a été Chinon. La filière dite graphite gaz, qui a fonctionné premièrement pour fournir le plutonium en quantité industrielle nécessaire pour fournir Marcoule, qui fabriquait la bombe, qui participait à la fabrication de la bombe. C'est à Valduc, etc. Il y a d'autres endroits où les choses se font. Mais il fallait extraire ce plutonium à Marcoule. Et si, Robert Gallet disait, si il y avait eu un accident, et il parlait d'un incendie à Marcoule, il fallait avoir une usine de remplacement. Donc l'usine de La Hague, sa première fonction, ça a été à des fins militaires. Et d'ailleurs, le premier administrateur s'appelait Boussard, c'était un colonel, comme aurait dit Prévert, qui a vécu la fin de sa vie là-bas, et comme il aurait pu dire, un al-colonel de l'infanterie al-coloniale. Prévert est enterré à 3 km, hein, de l'usine. Et beaucoup des premiers intervenants, des premiers agents du CEA étaient des agents qui venaient de l'armée. Et c'est ensuite qu'on a élargi cela à la fabrication du plutonium civil, en plus du plutonium militaire. On y reviendra éventuellement dans la discussion. Problème. Les opérations du retraitement, on appelle ça retraitement, ça fait plus écolo, en fait c'est l'extraction du plutonium, eh bien il y avait des déchets, hein, dans le fonctionnement même de l'extraction du plutonium. Et il fallait stocker ces déchets. Et à l'époque, eh bien il a été question, donc à la fin des années 60, de chercher un centre de stockage de déchets. Et dans le secteur dont on a dit qu'il avait une culture du nucléaire, eh bien, c'était quand même un peu gonflé, car on n'a pas réussi à trouver un terrain, à l'époque, et on n'a toujours pas trouvé de terrain extérieur à celui que l'on avait pris pour l'usine de fabrication de plutonium, pour laquelle d'ailleurs on s'était caché. On n'a jamais dit au départ qu'on achetait des terrains pour faire une usine atomique, on disait une usine atomique à l'époque. Bon, donc, il s'est créé ce qu'on appelle le centre de stockage Manche, de déchets dits de faible et moyenne activité, sur le terrain même qui appartenait au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique. Il y avait de la place et on l'a installé sur une zone de marais, comme on ne ferait plus aujourd'hui pour une simple décharge de déchets ménagers. Et sans protection en sous-sol ni quoi que ce soit. Depuis, on a mis du bitume au-dessus,
hein, une couche bitumineuse au-dessus, mais c'est tout. Ce qui veut dire que c'était dans des conditions assez innommables et qu'il y a des problèmes de pollution importantes, puisqu'on a environ 100 tonnes de plutonium qui sont stockées là. Heureusement, comme disent les gens de l'endroit, enfin, pas ensemble, effectivement, je ne serai pas là pour en discuter avec vous, puisqu'il suffit de 5 à 6 kilos pour faire masse critique, c'est-à-dire ça explose spontanément. C'est à peu près l'équivalent de la bombe A de Nagasaki. Bon, et il y a 200 tonnes d'uranium stockées là. Alors, je ne parle pas des métaux lourds, tels que le plomb. Là, il y a des milliers de tonnes, plus de 20 000 tonnes de plomb. Et il y a du cadmium, il y a un certain nombre, même de l'arsenic, dans ce stockage, du mercure, etc. Donc, c'est une des décharges qui pose sûrement en France le plus de problèmes. Donc, voilà pour la troisième installation. Et puis, dans les années, fin des années 74, début de 75, il y a eu le projet de construire 4 réacteurs à Flamanville. C'était Dornano qui était ministre de l'industrie et en même temps de l'environnement, c'était bien pratique. Dornano était originaire de Deauville, c'est-à-dire de Basse-Normandie. Il promettait des centrales nucléaires dans toutes les régions de France. Après avoir fait cette promesse, il ne pouvait pas se dispenser d'en faire construire une en Basse-Normandie. Et en Basse-Normandie, tant qu'à faire, pas trop près de Deauville, et pas dans la baie de Seine, mais plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire sur la côte ouest du Cotentin. D'où le choix de Flamanville, qui n'était pas un choix technique, mais un choix plutôt politique. La réalité d'aujourd'hui, eh bien, c'est que pour l'arsenal de Cherbourg, et on n'y est vraiment pas pour grand-chose, parce que là, c'est sûrement là que c'est le plus difficile d'avoir une militance et une mobilisation et une efficacité face au pouvoir nucléaire militaire. La France a cette spécificité avec l'Angleterre d'être nucléaire pour la bombe, hein, par rapport à l'Allemagne, c'est une grosse différence, et dans l'esprit des gens, ça crée quand même de grosses différences. Il y a eu une difficulté particulière de notre part sur cette question, même si on a venu des gens faire venir des gens aussi célèbres que Cousteau, que de Bollardière, etc., qui a fini sa vie dans le secteur, pas très loin. Eh bien, c'est aujourd'hui seulement la moitié de ceux qui travaillaient il y a 20 ans qui sont en poste à l'arsenal de Cherbourg, pour une raison très simple, c'est que il y a eu la chute du mur de Berlin, et quoi qu'on dise, qu'on ait dit à l'époque, eh bien, la bombe française n'est dirigée pas spécialement contre l'URSS, tout le monde savait que c'était quand même plutôt contre l'URSS. Donc, il y a, à partir de ce moment-là, il y a eu moins de sous-marins de construits, où d'ailleurs, subsidiairement, on en construit des sous-marins pas nucléaires, pas à propulsion nucléaire, mais qui peuvent devenir lanceurs d'engins nucléaires, pour le Pakistan, avec le succès que l'on sait, pour l'Inde, on est neutre, donc il faut bien fournir aux deux camps qui pourraient se la foutre sur la poire, hein, puis on nous en demande, donc on fournit, gentiment. Donc, mais à part ça, ça veut dire qu'il y a 2500 personnes qui travaillent à l'arsenal de Cherbourg, et non pas 5000 comme il y a eu à une certaine époque. On a même mis en retraite des gens à 52 ans, hein, dans une période où on allonge le temps de travail. C'est un peu curieux, mais c'est une spécificité cherbourgeoise et militaire. Bon, en ce qui concerne l'usine de La Hague, eh bien, l'usine de La Hague était prévue, avec ses deux nouvelles usines, pour retraiter chacune 1000 tonnes an. Or, à l'heure actuelle, eh bien, il y a depuis à peu près 5 ans moins de 1000 tonnes qui sont retraitées par an. Il y a entre 910 et 980 tonnes de combustible irradié retraitées, ce qui fait quand même plus de 9 tonnes de plutonium. Hein, donc c'est absolument considérable cela. Et donc cette usine de La Hague, ça veut dire qu'elle fonctionne à moitié. C'est-à-dire que prévu
Pour deux usines à Milton, on en est à Milton. Il y en a une qui fonctionne pendant que l'autre est au repos et l'inverse. Pourquoi cela? Eh bien, parce que d'une part, Areva est allé construire une usine au Japon, donc les contrats japonais ont été arrêtés. C'était 20% du fonctionnement de l'usine pour les déchets étrangers de La Hague. Et surtout, il y a eu l'arrêt par l'Allemagne du retraitement en 2005. Et donc, c'était 40% du fonctionnement de l'usine prévue pour les déchets étrangers. Il y a eu l'arrêt du retraitement pour la Belgique en 2000 et l'arrêt du retraitement pour la Suède en 84 et l'arrêt du retraitement il y a 2 ans pour la Suisse. Donc, il n'y avait plus que deux tout petits contrats, un italien, tout petit parce que le nucléaire a été arrêté en 88 en Italie et il y a encore eu confirmation de cet arrêt par un référendum donnant 90% contre la reprise du nucléaire là-bas, malgré les pressions de Berlusconi. Et il y a encore un peu de combustible irradié venant de Hollande qui arrive pour en extraire du plutonium. On ne sait pas trop à quel usage ce sera fait ni qui récupérera ce plutonium. C'est tout. On peut dire que nous avons à moitié perdu sur ce projet et à moitié gagné. Quand je dis qu'on a à moitié gagné, on n'y a pas été quand même pour rien dans cette affaire. Sur la vente au Japon, sûrement, on n'a pas souhaité que le Japon hérite de ce qu'il ne ferait plus à La Hague, à Rocashomura. Mais par contre, en ce qui concerne la Suède, c'est nos actions qui ont eu nos actions même. De petits groupes, l'occupation pas moi parce que je n'étais pas capable de le faire, mais les copains qui montaient sur les grues à 30 mètres d'altitude, qui restaient 3 ou 4 jours, qui bloquaient les arrivages des combustibles suédois. Nous, pendant ce temps-là, on allait négocier avec les Suédois et la Suède fonctionnait de façon beaucoup plus démocratique que la France. On a pu être reçu par Birgitta Dahl, qui était ministre de l'Environnement et de l'Énergie, et on lui a expliqué, mais pourquoi voulez-vous du plutonium. Le retraitement, ça n'a rien d'écolo, c'est uniquement pour avoir du plutonium à des fins civiles ou militaires. Vous voulez bien d'une défense militaire, mais vous ne voulez pas de la bombe. Alors pourquoi vouloir du plutonium? Deuxièmement, vous devez arrêter votre programme nucléaire en 2010, vous ne construisez plus de nucléaire, vous n'avez pas besoin d'un programme long terme. Bon, ils ont arrêté sur les deux centrales, sur six centrales, il y en a deux qui ont été arrêtées. Bon, ils n'ont pas tenu complètement leur promesse pour 2010. Mais par contre, donc, elle a reconnu nos arguments et elle a abandonné ses contrats, la Suède, en 84. On s'était dit, et on a continué sur cette stratégie, que devant nous, on avait, avec le CEA, puis Cogéma, puis Areva, un monstre, en quelque sorte, un monstre commercial, et que c'était plus dur de vaincre chez nous, associatif, majoritaire à un moment donné, on ne l'est plus sûrement aujourd'hui, et du fait qu'on est en mono-industrie nucléaire, on y reviendra éventuellement. Et donc, on s'était dit, quand il y a un mur devant soi, on peut taper la tête dedans, on se fait mal, il vaut mieux sauter par-dessus ou passer à côté et essayer d'aller convaincre ceux qui fournissent, qui font commerce en quelque sorte, de leur combustible irradié, qui se débarrassent d'abord, bien gênés d'avoir fait à du stockage chez eux, qui a accepté de se faire escroquer. On dit que les deux usines ont été payées par les étrangers, donc, y compris l'usine pour retraiter pour la France. Bon, mais ils étaient débarrassés du problème pendant 20, 30 ans, éventuellement plus. Bon, nous sommes allés faire à Gorleben de la propagande, en quelque sorte, hein, à Wackersdorf, là où il était question de faire du stockage de déchets, voire même des centres d'extraction de plutonium. C'était le cas à Wackersdorf. Et on y est allé à plusieurs reprises. Bien sûr, ce n'est pas nous qui avons organisé les Allemands. En y allant ou en invitant des quarts d'Allemands de temps à autre à venir s'informer sur ce qui se passait chez nous, mais il est évident qu'on a fourni la matière première, si j'ose dire, à leur contestation. Et d'ailleurs, quand
Les copains de Wackersdorf ont fêté le 10e anniversaire de leur victoire. Ils nous ont invités, ce n'était pas tout à fait par hasard, c'est parce qu'ils reconnaissaient qu'on y avait été un peu pour quelque chose. Et la Belgique, c'est la même chose, avec nos amis belges, avec un certain Paul Lannoy notamment, que certains connaissent. Et puis la Suisse, moi je suis allé aussi en Suisse à plusieurs reprises. Il n'y a qu'au Japon où je suis allé, mais on n'a pas réussi à convaincre, ce qui, à mon avis, prouve bien une chose, c'est que le Japon, un jour ou l'autre, finira par décider officiellement, s'ils ne l'ont pas officieusement, la bombe. Hein. Donc quel est l'intérêt de faire de l'extraction de plutonium, sinon de récupérer celui-ci un jour à des fins militaires. Enfin, ceci pour vous dire que, eh bien, sur cet aspect-là des choses, on y a été quand même pour quelque chose. Faire l'action militante n'est pas inutile, c'est quelque chose d'important à dire, surtout qu'à l'heure actuelle, on voit que sur le plan social comme sur le plan de l'énergie, quand on rassemble des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, on a l'impression que ça ne sert à rien, que le pouvoir est têtu, etc. Il n'empêche qu'il s'agit à ce moment-là d'établir une stratégie en fonction de l'adversaire qu'on a. Et on n'a pas fini par gagner, mais on n'a pas vraiment perdu dans l'affaire. Hein. On est entre les deux. Si on prend Flamanville, il était prévu de faire 4 réacteurs. Je t'interromps un tout petit peu. C'est pour compléter, en effet, par rapport au retraitement. C'est la dernière, on peut dire en somme, victoire. C'est l'histoire du Blue Ribbon aussi. Oui. Alors, oui. J'en oublie toujours, mais je suis déjà assez long. on est sur la lutte par rapport à l'étranger. Bon, je suis allé aussi aux États-Unis 3 semaines en 99. Et donc, Areva était déjà sur place pour essayer de faire reprendre par les États-Unis le retraitement, l'extraction du plutonium. Ça avait été arrêté par Carter sur une position juste. Non, il a été président de 76 à 80. C'est lui qui avait dit qu'il faut lutter contre la prolifération de l'arme nucléaire. Donnons l'exemple. Certes, il avait quelques réserves de plutonium dans les stocks, mais il a fait arrêter l'extraction du plutonium aux États-Unis. Donc, Obama, quand il est arrivé, il ne faut pas idéaliser Obama, hein. Donc Obama, quand il est arrivé, surtout qu'il avait des promesses, mais il a fait la promesse de stocker directement ses déchets nucléaires dans les terres indiennes. Bon, il y a eu une forte mobilisation, y compris des grands acteurs d'Hollywood, etc., qui ont financé les luttes. Yucca Mountain. Et donc, il a promis que ce site sera abandonné. Que faire des combustibles radiés? Bien sûr, ça peut dépanner de faire du retraitement, c'est-à-dire on met ça dans des piscines, puis ensuite on fait du retraitement, et on stocke encore pendant quelques années. Ça débarrasse du problème pendant 30 ans. Dans 30 ans, Obama n'en parlera peut-être plus. Hein. C'est souvent comme ça que les chefs d'État réagissent. Hein. Ils vivent sur 5 ou 10 ans, ils ne vivent pas sur la durée de vie des problèmes. Bon, donc, Obama a nommé une commission qui s'appelle Blue Ribbon. Faut-il reprendre ou non l'extraction du plutonium? Donc, c'est parce que, d'une part, on était un peu connus aux États-Unis et qu'on existe aussi sur le terrain. Si on n'existait pas sur le terrain, il est évident qu'on ne nous prendrait pas en compte. Donc cette commission a fini par nous rencontrer, même s'il y a eu quelques petites péripéties dans le processus. Et on a sans doute été assez convaincants pour faire que, Guillemette qui a travaillé à l'arsenal de Cherbourg et qui était un peu, qui s'est fait lui-même un peu expert en matière de nucléaire, moi sur les problèmes plus globaux. Donc ils ont été convaincus, et dans le rapport qu'ils ont fourni à Obama, il est dit qu'il n'est pas question de reprendre le retraitement. Pour l'instant, c'est stoppé, ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais c'est stoppé. Donc on peut dire qu'il y a eu effectivement une certaine efficacité. Quand je dis nous, c'est le CRILAN, c'est-à-dire le comité de réflexion de lutte antinucléaire de Basse-Normandie, en la matière. Pour Flamanville, il y avait 4 réacteurs qui étaient prévus. Il n'y en a que 2, si j'ose dire, actuellement, même s'il y en a un troisième qui nous inquiète et qui est en pleine construction avec 4 ans de retard, le PR,
et avec un doublement du coût actuellement. Il est passé de 3 à 6 milliards d'euros et de l'interne d'EDF, on nous dit oh, peut-être 8 ou 9. Donc d'ici 2016, date prévue actuellement, il pourrait avoir aussi plus de retard. Bon, donc on avait jusqu'à maintenant au moins à moitié perdu, à moitié gagné aussi. Et on y était un peu pour quelque chose, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu sur place, moi j'ai habité 9 ans à Flamanville, il y avait le CRILAN qui s'est constitué en 75, même si on était anti-nucléaire depuis 72. Et donc ce comité a eu une certaine efficacité pour aider à la constitution d'un GFA, un groupement foncier agricole, comme ça s'est fait, je pense à une certaine époque à Plogoff, comme ça s'est fait au Larzac. D'ailleurs, Plogoff a bénéficié de nos échecs et en a fait des victoires. Hein. Plogoff, moi je suis allé plusieurs fois à Plogoff, le CRILAN a envoyé des cars assez régulièrement aux manifestations. On a eu même des cars de Plogoff qui sont venus à Flamanville, notamment pour voir comment EDF n'en avait rien à faire de la législation. Ils construisaient une centrale nucléaire sans permis de construire. Ça a beaucoup convaincu les gens de Plogoff dans l'idée que la législation, il ne fallait pas vraiment tenir compte, il fallait surtout tenir compte de ses propres forces pour empêcher, dès le début, l'installation d'EDF sur le site. Hein, d'où vous connaissez l'histoire de Plogoff sûrement mieux que moi. Bon, donc, pour revenir à Flamanville, l'emplacement prévu pour la centrale de ce fait-là, bon, on a fini par perdre. Ils avaient les terrains de la municipalité qu'ils ont réussi à avoir. Ils ont entamé la falaise, mais pour avoir un peu plus d'espace, ils sont poussés 36 hectares sur la mer. Ils ont été obligés de gagner de l'espace sur la mer parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup sur les terrains. Donc, pour ne citer que cet exemple, il y a eu aussi l'occupation du site pendant un mois. Il y a eu un certain nombre d'actions non violentes, mais illégales, qu'on pourrait dire légitimes, sinon légales, qui ont fait que on en est resté là aujourd'hui. Et aujourd'hui, Flamanville, c'est le site le plus petit pour l'installation de réacteurs nucléaires. Donc le troisième, ils arrivent à le mettre en place avec le chantier sur l'emplacement qui était prévu pour le quatrième, mais s'ils devaient faire un quatrième réacteur, il faudrait qu'ils prennent encore des terrains avec un certain nombre de difficultés autres. Bon, donc ceci pour vous dire que, en première conclusion, la militance n'est jamais inutile. Hein, on n'y a pas forcément gagné comme à Plogoff, hein, mais on n'y a pas non plus perdu. Et en tout cas, la casse a quand même été limitée à condition de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Il faut toujours avoir une relation entre la pratique et la pensée, hein, dans un sens et dans l'autre. Ne pas aller à l'aveuglette, ne pas bouger sur tout ce qui bouge, mais choisir un petit peu ses interventions, même quand c'est difficile. Voilà ce que je voulais vous dire, mais ce que j'attends de votre part, et encore une fois j'ai été trop long, c'est des questions. Merci. Et on essaiera d'y répondre. Moi, je voulais revenir, parce que Brennus, c'est comme un réacteur de graphite gaz. Est-ce qu'il y a un sort récent? Non, c'est pas graphite gaz, non. Hein. Non, non, c'est PW. C'est eau lourde. Ah oui, c'est encore. Brennilis, c'est eau lourde. Et tout petit, hein, si j'ose dire. 70 mégawatts, si je ne me trompe. 70 mégawatts. Flamanville, 2 fois 1300, mais pas eau lourde. Eau pressurisée, c'est-à-dire uranium enrichi. Oui, par contre, oui, c'était une centrale qui produisait énormément de tritium, autant que l'usine de retraitement, hein, quand même. Hein. Ça a été quand même grandiose. Oui, on pense que le tritium qui sert normalement, qui rentre pour miniaturiser les bombes atomiques pour les rendre plus petites, comme il y avait une colonne à distiller le tritium, on pense que oui, que c'était situé près de l'île Longue. Hein. La France avait deux stratégies. D'abord, avoir la bombe au plutonium.
type Nagasaki. Il y avait deux voies possibles. L'uranium, ce qu'essaye de faire l'Iran, et plutonium. Et donc, le plutonium a été choisi par la France parce que c'était plus miniaturisable. Gros comme ça de plutonium, ça vous fait la bombe de Nagasaki. C'est très lourd. C'est presque deux fois la densité du plomb, hein, le poids spécifique du plomb. Donc, il est facile de faire un petit missile facilement transportable, alors que l'uranium, il fallait pas loin de 30 kilos, quelque chose comme ça. Donc, c'est possible, mais plus difficile à faire. Donc, c'est ce que les États-Unis ont choisi, ce que l'Angleterre a choisi, ce que tous les pays, ou presque, après Nagasaki, ont choisi comme voie. La France l'a fait. Mais si on voulait faire une bombe plus forte, la bombe dite à hydrogène, c'était à partir du tritium. Bon, et donc, comme. Enfin, à partir d'une centrale à eau lourde, c'était le cas du Canada. Eh bien, on pouvait aussi, de toute façon, avoir du plutonium dans le retraitement et on pouvait avoir le tritium. Donc, il est évident que la centrale de Brindisi, c'était une centrale expérimentale dirigée par le CEA, qui avait double fonction civile et militaire, donc le commissariat à l'énergie atomique. Il est évident qu'il y avait des passages très faciles. Voilà. Mais on n'a pas poursuivi là-dedans. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pouvait faire sa bombe comme cela. C'est ainsi d'ailleurs que l'Inde, qui avait signé un traité avec le Canada comme quoi jamais il n'utiliserait le nucléaire civil que lui fournissait avec ce système à l'eau lourde le Canada, que jamais l'Inde promettait de ne jamais l'utiliser. Puis on sait ce qu'il en est advenu. Hein, comme disait Hitler, les traités sont des chiffons de papier, et on les chiffonne quand on veut. Bon, donc, oui, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu des fonctions militaires, effectivement, pour Banilis. La masse critique de l'uranium, c'est 30 kilos ? Non, mais il fallait une... pas forcément critique, mais de toute façon, on s'est servi aussi d'un peu de plutonium comme détonateur, comme pour la bombe H actuelle, beaucoup plus puissante, on se sert toujours du plutonium comme détonateur, mais en plus petite quantité. Autre question, j'ai entendu parler de bombes fusion-fission, la dopéotritium, les bombes au plutonium de dopéotritium. Donc les deux peuvent permettre, voilà. Mais la recherche continue, hein. Il y a des gens qui travaillent, il y a des essais qui se font en Aquitaine. Hein. Et les différents pays ont travaillé sur les différentes dimensions possibles. Il y a la bombe à neutrons, etc. Il y avait les bombes qui visaient uniquement à détruire une ville, détruire toute vie, mais pas les immeubles, pas les usines, etc. On pouvait même essayer de récupérer les installations pour l'envahisseur, alors que, autrement, ça pouvait être difficile d'utiliser ce qu'on avait, les territoires qu'on avait détruits. Donc, il y a toujours des arsenaux, même si les essais ne sont plus faits en actif, hein, directement. J'ai encore une question. La masse critique du plutonium, c'est 5 à 6 kilos. J'ai entendu dire que c'est 200 grammes. Pour la masse critique, j'interromps parce que la masse critique, moi j'ai lu que c'était 200 grammes. En présence de produits hydrogénés. C'est de l'eau. On descend à 200 grammes. C'est de l'eau ou du tritium, car le tritium, c'est H3. C'est très proche cousin de l'hydrogène. Alors, comment sont stockés le plutonium, le maximum, de la masse maximale, pour qu'il n'y ait pas d'accident, comme à Tokai Mura? Eh bien, le plutonium, qui est vieux de plus de 5 ans, est interdit à l'utilisation dans des réacteurs classiques. Autrement, le plutonium, quand on a abandonné la surgénération, il y a eu un arbitrage d'État entre EDF et Areva. C'était sous le gouvernement Rocard, premier ministre de l'industrie Fourou. Donc l'arbitrage était favorable à Kojima à l'époque, c'était pas encore Areva. On continue le retraitement. Qu'est-ce qu'on va faire du plutonium? On en fait du MOX, combustible mixte, mélange
l'uranium est d'ailleurs non pas uranium issu de retraitement à l'usine de La Hague, comme ça s'est dit trop souvent, mais uranium appauvri, c'est-à-dire celui qui est extrait au moment de l'enrichissement de l'uranium à pierre latte. Et tout de suite, on construit un autre système. Donc, le plutonium vieux de plus de 5 ans a été quand même refusé pour faire du MOX par EDF. Parce que il se dégrade lentement, mais quand il se dégrade, il produit de l'américium. Certains américiums contiennent du rayonnement gamma. Le plutonium est un rayonnement alpha. Vous avez le plutonium qui est là, je mets une feuille de papier comme ça, j'en suis préservé. Rayonnement extrêmement court. Donc c'est pas comme cela que vous pouvez être fortement contaminé. Par contre, si vous ouvrez le petit conteneur et que vous prenez une sniffette, c'est de la dure. On dit qu'un millionième de gramme inhalé, c'est un cancer du poumon dans les 10 ans qui suivent. Alors comment le stocke-t-on celui qu'on n'utilise pas, celui qui a plus de 5 ans d'âge? Donc le rayonnement gamma, il peut perforer 15, 20, 25 cm de béton ou de plomb. Donc il n'y a aucun gainage de combustible qui peut utiliser cet élément radioactif. Alors même s'il n'y en a qu'un peu, EDF ne tient pas du tout à provoquer des problèmes. Il y a déjà des problèmes de fissuration ou de porosité sur ces gainages. Donc il ne tient pas du tout à renforcer cette difficulté particulière. EDF demandait à ne pas utiliser du plutonium vieux de plus de 3 ans. Bon, l'arbitrage a été vieux de plus de 5 ans. Alors, ce plutonium extrait depuis les années 70, et puis en grande quantité, ce plutonium, qu'est-ce qu'on en fait? On le met dans des petits conteneurs, à peu près grands comme ça, gros comme deux doigts, à peu près, puisque c'est très lourd, à raison de 2,9 kg par conteneur, et avec des formes particulières, parce que les formes ont aussi leur importance sur le déclenchement de la réaction. Et donc, vous avez à l'heure actuelle plus d'une quarantaine, quelquefois on dit 60, sur l'ensemble du territoire, environ 80 tonnes. Parce qu'il y en a aussi à Cadarache, il y en a à Marcoule, il y en a à Superphénix, qui n'est pas encore démantelé, qui est en démantèlement. Et donc, mais il y en a plus d'une quarantaine de tonnes à l'usine de Lague, vous imaginez, dans tous ces petits conteneurs. Ils sont, alors, d'après ce qui m'a été rapporté par l'un des deux seuls journalistes à ma connaissance qui a réussi à être invité dans ce stockage à l'usine de Lague, c'est en sous-sol, donc à 25 ou 30 mètres sous terre. C'est vrai qu'un groupe terroriste n'est pas capable tout seul de le faire. Par contre, un État terroriste, il y a des États qui possèdent des armements. Par exemple, les États-Unis, on l'a vu avec l'Irak, qui sont capables d'aller chercher à 40 mètres, voire 50 mètres sous terre quand ils cherchaient Hussein. Ils bombardaient certains endroits avec des perforants qui allaient aussi loin que ça. Donc c'est pas inaccessible, mais quand même extrêmement difficile. Et c'est très protégé, donc je sais pas si c'est des Kalachnikovs, mais apparemment c'est quand même des mitraillettes, etc. C'est pas de la en sous-sol à 30 mètres, à 25 à 30 mètres sous terre. Là. Dans un grand mur, c'est pas une étagère, mais c'est un peu comme cela, avec des on glisse les petits conteneurs de plutonium dans le mur, puis on espère que ça tiendra dans les petits conteneurs dits inoxydables. Ils sont en quel matériau, les conteneurs? Acier inoxydable. Oui. Il y a des photos de ça ou pas? Non. Non, imaginez quand même. Non. Non. Non, 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 non. Mais une photo de. Non, non, c'est pas. Non, ah ben non. C'est le secret nucléaire, secret militaire. Le plus secret du secret, c'est ça, quoi, quand même. Évidemment, vous imaginez, c'est ce qui nous a fait dire d'ailleurs depuis le départ, le mot d'ordre que certains ont en tête encore, fermer l'usine de La Hague, non, on est contre la fermeture de cette usine de La Hague, on ne ferme pas, on ne tourne pas la clé, et on ne met pas la clé sous le paillasson, on se tire, ce serait de l'irresponsabilité totale. Bon, donc ça veut dire qu'il faut gérer ce plutonium,
le moins mal possible. On pourra y revenir si ça vous intéresse sur les solutions. Disons, quand tu dis fermer la hague, c'est-à-dire tu dis ne pas employer le mot fermer la hague, mais employer le mot arrêt du retraitement. Arrêter l'extraction du plutonium, même pour être plus précis, parce que le retraitement, c'est un truc de propagande. Ça n'a rien d'écolo, le retraitement. Hein? Arrêtons de produire les déchets. Premièrement, et si on arrête les déchets, on arrête les centrales nucléaires. Mais de toute façon, on aura à gérer l'existant. C'est-à-dire que sortir du nucléaire, c'est un vocable, mais qui ne correspond pas à une réalité à venir. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est arrêter les centrales nucléaires, mais on ne va pas arrêter le démantèlement, et on ne va pas arrêter, que ce soit immédiat ou à long terme, ou à moyen terme, on ne va pas arrêter les déchets, puisque les déchets existent et qu'on n'a pas de solution parfaite pour cette gestion. Et il n'y en aura pas que pour nous, il y en aura pour je ne sais combien de milliers de générations. Bon, voilà si j'ai répondu à la question plus largement. Je voudrais juste un petit peu peut-être qu'on puisse peut-être un peu recadrer le débat, peut-être essayer peut-être pas, sauf si vous avez vraiment des, on va profiter bien sûr de la présence de Didier, si vous avez des curiosités par rapport à la hague, en effet, si vous avez des questions, et qu'on puisse un petit peu se dire, c'était le sujet, c'est de se dire, comme on est militante nucléaire, bon, quelle perspective, quoi. Je sais pas, c'est ce que je propose, mais s'il y a des questions, on ne va pas se priver. C'est dans le sens de ma question. Bon, on est dans un état, enfin, tu l'as bien signifié tout à l'heure, dans un état qui est complètement obnubilé par le nucléaire, qu'il soit civil et militaire. La lutte sur le terrain de militants a pu faire avancer un certain nombre de points de choses, mais n'est pas suffisante. Et actuellement, on est face à un État, quel que soit le changement politique qui est à l'horizon 2012, c'est un État qui est pour le maintien du nucléaire dans sa continuité. On ne nous parle pas de sortie du nucléaire, on nous dit éventuellement de ralentissement du nucléaire. On ne nous parle pas de désarmement nucléaire, mais ça, voilà. Personne n'en parle. Donc comment peut-on, bon je sais que en 84 vous avez essayé d'approcher le PS sur des questions, sur ces questions là les déclarations qu'ont fait Hollande hier par rapport au nucléaire n'est pas très satisfaisante, je dirais, et même assez décevante. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est un peu nous la question en tant que militants de base par rapport à ça. Oui, alors ça c'est bien sûr la grande question. C'est vrai que si on se... Tout d'abord, la droite qui était à l'origine du nucléaire un peu divisée, parce qu'il y avait une droite qui était très pro-américaine et qui disait il n'y a pas besoin d'avoir notre bombe en France. Donc qui était en fait pour le nucléaire américain. Donc... quand De Gaulle revient au pouvoir, bon, il y a sa vieille histoire de l'indépendance par l'armement, l'indépendance de la France par l'armement, donc par la bombe. Droite divisée, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si on prend la gauche, on en parlait ce midi, tu te souviens quand même des discours de Mitterrand dans les années 60, on pourrait y souscrire, nous, de nos jours, où il était, mais très nettement, contre le recours à la bombe. Et il y avait un certain nombre de philosophes ou d'écrivains qui nous étaient très favorables, ou de scientifiques, c'était le cas de Rostand, qui était du mouvement contre l'armement atomique, ça a été dans les années 60, et ça a été également, par exemple, Camus en 1945, Albert Camus, qui dit ça. Beaucoup de gens trouvaient ça horrible qu'il ait pu oser dire ça, mais Hitler est mort, mais il a gagné la guerre. Parce que on a eu recours à ces méthodes, donc s'en prendre aux civils dans une guerre. Hiroshima et Nagasaki n'étaient pas des objectifs militaires, c'était uniquement s'en prendre à des civils. C'est ce qu'avait fait Hitler à Guernica, en Espagne. Bon. Donc, on peut même dire que c'était un crime de guerre, ce qui a été fait à Nagasaki, à Hiroshima.
Bon, mais aujourd'hui, où sont les philosophes, parlons pas d'Henri Lévy et autres, ou pseudo-philosophes, sur cette question, où sont les scientifiques qui dépendent à un moment donné du CEA, puisque plus de la moitié du budget de l'État, c'est le CEA, civil et militaire, donc où sont-ils? Donc le nucléaire militaire, c'est vraiment aujourd'hui le super tabou, et plus personne, ou presque, n'en parle. Bon, si on reprend le nucléaire civil, bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on a gagné, on l'a gagné par nous-mêmes. C'est-à-dire que, ben, par expérience, moi j'étais pas forcément hostile à toute négociation dans le système politique français où on ne peut avoir de poids politique que si on s'allie à droite ou si on s'allie à gauche. Donc moi j'ai toujours été plutôt pour s'allier à gauche, mais en y mettant un certain nombre de conditions. C'est-à-dire il faut peser assez fortement, il faut avoir un bon rapport de force, en quoi c'est pas utile. C'est pas, ça ne donne rien, sauf gagner quelques places. Qu'est-ce que ça veut dire, gagner quelques places au Sénat ou à l'Assemblée nationale? Ça ne pèse pas. Hein. Donc, il s'agit d'avoir un bon contrat. Et donc, si on reprend dans le passé relativement proche, 1981, Tonton nous signe un noun antinucléaire du Cotentin entre les deux tours de la présidentielle. Un texte disant « La filière surgénératrice sera abandonnée », ce qui était pas mal à l'époque. Hein. Et on a su par la suite que c'était Bérégovoy qui avait écrit, c'est Tonton qui a signé, mais Bérégovoy était à Gaz de France, il savait déjà qu'à EDF, ça ruait dans les brancards contre Superphénix, hein, qui coûtait trop cher, qui était prévu comme peu productif, etc. Donc la filière surgénératrice devra être abandonnée. En conséquence de quoi, il ne sera plus nécessaire d'extraire du plutonium. Et donc, il faudra rechercher à faire du stockage direct des combustibles irradiés, sans retraitement. Bon. Après 81, on a vu ce qui s'est fait. Bon, ça a continué. Si vous prenez 97, moi j'ai participé presque... Oh, pas malgré moi pour les discussions, j'étais en accord avec ce que je disais depuis de nombreuses années, il faut passer un contrat, donc en préparation des élections législatives de 97, en 96, j'ai fait partie pour les Verts des négociations avec le PS. Face à moi d'ailleurs, il y avait un certain Bataille qui n'était pas un antinucléaire notoire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'auteur de la loi Bataille sur les déchets. Qui n'a pas abouti pour l'instant. Et donc... il était prévu que le MOX serait abandonné. On en est toujours là. Sera-t-il abandonné? Bon. D'ailleurs, Dominique Voynet a autorisé le MOXage de deux réacteurs à Chinon, contrairement aux accords. Il avait été dit aussi qu'il y avait un problème avec le stockage. Ça a été autorisé, Bure. C'est sous le gouvernement Jospin, Dominique Voynet. Par contre, ça a tellement rué dans les brancards ensuite à l'intérieur des Verts, ça s'est peut-être pas toujours vu, qu'au moment de faire l'EPR au Carnet, entre Nantes et Saint-Nazaire, pas si loin que ça de chez vous, certains vont peut-être participer aux manifestations là-bas, eh bien, il a été... dit par Dominique Voynet, c'est un casus belli, vous vous rappelez peut-être de cette expression, à l'automne 99, il y avait une manifestation qui était prévue par le réseau Sortir du Nucléaire qui était créé depuis peu, et par les Verts à l'époque, et Dominique Voynet dit, c'est un casus belli, je m'en vais du gouvernement si ce projet est maintenu. À 2 ans des élections présidentielles, et Jospin se voyait déjà président, Jospin recule et on verra ça après les élections. Bon, aujourd'hui, on voit où en est le père. Il n'y a que Ségolène Royal qui, en 2007, après de fortes pressions, a dit qu'elle abandonnerait le projet d'EPR à Flamanville. Mais aujourd'hui, plus question pour le PS de dire on abandonne le projet de Flamanville, on le continue. Et si on prend la promesse comme quoi on passerait de 75% de la production d'électricité
à 50%, c'est ce que Pierret avait déjà dit, ministre socialiste, secrétaire d'État à l'énergie à l'époque, c'est déjà ce qu'il avait dit. On passe de 75% à 50%. Ceci en 99. Donc, quel est le pas, quelle est l'avancée faite à l'heure actuelle par le Parti Socialiste et par Hollande? En plus, qui on a dans ses conseillers? Cazeneuve, le député qui se fait appeler lui-même député Kojima, maintenant Areva, député de Cherbourg. Quand il a comme conseiller également Montebourg, qui est de la région de Chalon-sur-Saône, et Chalon-sur-Saône, c'est surtout Framatome. Alstom n'est pas très loin, mais c'est surtout Framatome qui construit un certain nombre de pièces de l'EPR, qui, la veille même de notre rassemblement à Cherbourg en 2006, à Pâques 2006, est venu faire une conférence pronucléaire à Cherbourg même, hein, pour essayer de nous contrer. Et qui vient d'arriver à nouveau, Madame Lauvergeon, qui a été chassée de Areva. Et donc, il est évident qu'avec ce qui est dit et l'entourage qu'il a, Hollande ne fera rien ou si peu si la seule promesse qu'il a faite, c'est d'arrêter Fessenheim dans les 5 ans qui viennent. Mais les tenants du nucléaire eux-mêmes, ça ne les choque pas, hein, du tout. C'est celle qui fonctionnait le plus mal et qui a déjà dépassé 30 ans de durée de vie. À l'origine, il était prévu que les centrales nucléaires ne devaient pas durer plus de 30 ans. Bon, donc, quant à EDF, ils préfèrent, plutôt que d'avoir un EPR, ils sont même en retrait par rapport, ils sont plus sur la base Areva que sur la base EDF. EDF ne veut pas de nouvelles constructions, ça lui coûte trop cher, hein, et comme ils ont un endettement formidable, ils préféreraient faire durer plus longtemps la durée de vie de leur réacteur nucléaire. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut compter, hein. Encore une fois, il faut compter sur nos propres forces. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile, parce qu'il faut pas qu'on nous refasse le coup de 81, c'est-à-dire si Sarko est battu, alors n'en parlons pas, parce que lui, on sait que c'est Bouygues, c'est pro-nucléaire, c'est... Bon, mais si Hollande devient président de la République, si dans son ministère, il y a Montebourg, Cazeneuve, etc., s'il y a comme grand conseiller Madame Lauvergeon, ou peut-être ministre de l'Industrie, que sait-on, il ne faut pas compter sur eux, évidemment. Bon, donc, il ne faut pas qu'on nous refasse le coup de dire « Ah, mais surtout, faites rien, il ne faut pas faire de mal à la gauche. Hein? » Donc, quel que soit le gouvernement après mai, on va se retrouver devant cette situation de continuation du nucléaire. Alors, qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, il est évident qu'on est en période de crise. C'est-à-dire, il n'y a pas que nous, il y a aussi ce qui se passe autour de nous. En période de crise, il peut y avoir deux solutions. On fait les grands travaux. C'est ce qu'avait fait Roosevelt aux États-Unis après la grande crise des années 30. Mais si les grands travaux, c'est quoi? C'est les routes, c'est les trains ou c'est le nucléaire? Bon, donc on n'est pas sûr du tout que la crise, peut-être que la crise permettra de dire on a tellement d'endettement, la situation est telle qu'on arrête tous ces grands travaux. Ça m'étonnerait qu'on arrête quand même l'EPR en construction. Par contre, on ne fera peut-être pas l'EPR prévu à Penly, hein, en plus de l'arrêt de Fessenheim. Peut-être, peut-être. Si on regarde également ce qui se passe autrement dans le monde, vous avez Fukushima, qui a quand même profondément marqué les esprits. Alors, ça ne veut pas dire que, à mon avis, la majorité des Français est pour sortir demain du nucléaire, mais maintenant, dans la tête des gens, Sri Island est oublié, Tchernobyl, on l'a encore un peu dans la tête, mais maintenant Fukushima, il y a de plus en plus de Français quand même qui pensent que ben, peut-être que la prochaine fois, c'est pour nous. Hein. Donc, il y a une opinion publique qui est un peu plus perceptible, même si les mouvements ne sont pas à la hauteur de cette perception. Hein. Et si l'on prend les différents autres mouvements que les socialistes, eh bien, si on prend ELV, c'est quand même très modéré par rapport à ce qui existait. Moi, je suis un des fondateurs des Verts. Je n'ai jamais adhéré à ELV, mais j'ai été un des fondateurs des Verts. C'était fondateur, la lutte antinucléaire, civile et militaire.
chercher dans le programme des Verts ce qui concernerait l'abandon de la force militaire. Vous ne le trouverez pas. Hein? Donc, il y a des accords qu'on prévoit avec le PS de telle façon que ça ne fâche pas trop. Hein? Donc, on a édulcoré d'une certaine façon le programme. Si on prend le front de gauche, alors le parti de gauche se définit comme anti-nucléaire, Mélenchon. Mais quand on voit que l'appareil, c'est le PC, et quand on voit que le PC a toujours été pro-nucléaire, depuis 1945, sa direction, je ne parle pas des militants, il arrive qu'il y ait des militants qui soient contre, on en rencontre, plus on s'éloigne de la Hague, par exemple, même dans le département de la Manche, mais le programme, c'est quoi? C'est on fait un débat et un référendum. Quand même, il y a plus urgent que ça, surtout quand on sait comment les débats se mènent en France et comment les référendums sont plus ou moins truqués, et encore, quand on les perd, quelquefois on n'en tient pas compte, voire les référendums sur les traités européens. Bon, donc, qu'est-ce qu'il y a comme force politique aujourd'hui? Ma réponse est longue, donc ne pas trop compter là-dessus. Alors, compter sur un accident supplémentaire, bien sûr, personne ne peut souhaiter ça, mais on est dans une situation quand même pas confortable, où il est nécessaire quand même d'essayer de continuer à informer plus précisément, mobiliser les gens, leur montrer que ça va dépendre essentiellement de nous et ne pas des autres, et c'est seulement à cette condition-là qu'on finira quand même un jour par gagner. Et puis il faut faire aussi, hein. Hier à Vannes, il y avait des gens qui étaient là, qui représentait une coopérative d'électricité à partir d'éoliennes. Donc le système coopératif est quand même plus intéressant que le système des grandes entreprises. Vous aviez Enercop qui était là sur la coopérative de distribution de l'électricité non nucléaire. Donc il ne faut plus se contenter de dire, il faut faire également. Bon, voilà quelques pistes, mais j'ai pas la solution miracle. Hein? Ben oui. Voilà.